En ce mois béni de Ramadan, et la grâce de ce mois en particulier nous interpelle quant à notre responsabilité vis-à-vis d'autrui, dans le sens de la convivialité. Et l'islam est venu avec un principe fondateur qui est celui de la foi en Dieu l'unique, mais en même temps l'exigence de l'action. Manu wa amilu salihat, ceux qui ont cru et qui ont agi par de bonnes œuvres, qui ont agi par le bien. Le salah, c'est ce qui réforme, ce qui est le bien. Et dans ce sens-là, il est important d'inscrire ici le sens de la responsabilité. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la citoyenneté. Donc, moi, je l'appelle une citoyenneté spirituelle, c'est-à-dire l'engagement responsable façonné par le cheminement de la foi. À savoir que le musulman, effectivement, vit le sens de la fraternité humaine, mais la fraternité de la foi aussi. La notion de communauté, c'est une communauté de foi. Ce sont des gens qui partagent un même regard, une même vision du monde, de la vie, de Dieu, de l'homme, de l'au-delà, et donc il y a une communauté de foi. Par contre, cette communauté de foi est composée d'individus qui se structurent sous forme d'une citoyenneté, c'est-à-dire un engagement qui est responsable, parce que l'individu est responsable du devenir d'autrui. Dans Sourate An-Nur, la lumière, Dieu exalté soit-il, nous rappelle يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Ô vous les hommes de foi, n'entrez pas dans des demeures qui ne sont pas les vôtres, si ce n'est avant de demander l'autorisation et d'y prêter salut à ces demeurants. Ça veut dire quelque part que le Coran reconnaît aux non-musulmans le droit sur moi musulman de marcher avec lui, et il m'investit de son devenir, de son destin. Donc je suis quelque part responsable de ce qu'il advient de la cité, de la société dans laquelle je vis. Le musulman ne vit pas que pour lui, il est avec Dieu pour être au service des hommes autour de lui. Et c'est ça le sens de la citoyenneté. La citoyenneté, ce ne sont pas un lot d'individus les uns juxtaposés aux autres, mais c'est une prise de conscience, un état d'esprit, une manière d'agir, une façon de voir les choses qui m'investit du devenir des autres, c'est-à-dire je m'engage dans la voie de la justice, du bien, de l'équité, du partage, de la fraternité, consolider des liens de société. Tout cela, c'est le sens de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est aussi témoigner de ma foi, apprendre à vivre avec l'autre dans la différence. Donc on va trouver un point d'intersection qui nous permette de pouvoir vivre avec nos différences et respecter justement nos différences dans l'exigence d'apprendre à se connaître mutuellement. Personnellement, je m'oppose catégoriquement à cette vision parce que l'islam n'est pas une culture. L'islam est une ère civilisationnelle dans laquelle il y a des marqueurs culturels qui se sont exprimés et qu'on retrouve dans l'histoire du monde musulman et des peuples musulmans. Des marqueurs culturels asiatiques, européens, ottomans, persans, etc., qui ne sont pas de l'ordre de l'arabité, mais qui se sont exprimés dans le cadre d'une ère civilisationnelle musulmane. Une culture, c'est un ensemble de marqueurs identitaires qui nous permettent de dire une façon de voir le monde et de voir l'homme et le sens de sa responsabilité. Et considérer que l'islam ne considère pas l'individu en tant que tel parce qu'il n'a pas cette liberté de choix, il a cette responsabilité, c'est quelque part erroné parce que l'islam nous considère comme responsables individuellement chacun d'un autre. Le Coran nous rappelle qu'on reviendra vers Dieu seul comme il nous a créé pour la première fois. Dans Surat Maryam et dans Surat Al-Isra, il nous dit personne ne porte la responsabilité d'autrui. La liberté de choix est inscrite dans la logique coranique qui nous enseigne que celui qui veut qu'il croit, celui qui ne veut pas qu'il mécroit. C'est-à-dire la liberté de choisir, d'adhérer à un projet divin ou pas. Donc à partir de ce moment-là, il y a ce sens de citoyenneté. La citoyenneté musulmane, c'est une citoyenneté spirituelle. C'est-à-dire on a le souci du bien-être de la cité, de la collectivité, on a le souci de la justice, le souci de l'équité, le souci du bien-être, de l'écologie, etc. Mais en même temps, on nourrit cet engagement par le sens de notre spiritualité. Dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens. C'est-à-dire que l'engagement du musulman, c'est de porter le sens d'être avec Dieu dans tous les actes de sa vie au quotidien. Lorsque, en tant que musulman, je m'engage à voter lors des élections, je ne vote pas islamique ou musulman. Je ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il est musulman, je ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il appartient à ma
à ma culture d'origine ou mon aire géographique ou civilisationnelle, mais je vote par des principes. La probité intellectuelle m'impose de choisir la personne compétente pour le poste adéquat, c'est-à-dire pouvoir choisir une personne sur base de son intégrité morale et sur base de sa probité intellectuelle et de ses compétences. Peu m'importe son appartenance spirituelle et religieuse. Et donc c'est là le sens de la citoyenneté spirituelle, dans le sens où ma relation à Dieu me dicte une façon d'être, un état d'esprit, une manière d'agir et d'interagir avec la société. Cette façon d'être, cet état d'esprit, c'est une spiritualité, une quête de sens qui est une donnée objective de l'identité humaine. Et c'est ce que j'appelle la citoyenneté spirituelle, dans le sens où le musulman, il peut aussi être audible dans la société. En tant que citoyen français de confession musulmane, ou pour ma part citoyen belge de confession musulmane, citoyen européen aujourd'hui, citoyen du monde tout simplement, nous avons quelque chose à dire sur l'écologie, nous avons quelque chose à dire sur l'esthétique, sur l'éthique, nous avons des choses à dire à partir de notre spiritualité, sans dogmatiser notre approche de la société. Ça veut dire que je ne vais pas dicter une islamité de la société, dans le sens où imposer un regard parce que c'est ma conviction spirituelle, mais je vais être imprégné par cette spiritualité et qui va déteindre sur mon regard, ma façon de voir les choses, en toute liberté. Je la propose aux autres et je la partage. Et on se nourrit du regard les uns des autres. Vous savez, si on revient dans les fondamentaux ou les fondateurs même de la cité que nous vivons aujourd'hui, de la République, que ce soit à partir du siècle des Lumières ou même après, on trouve quand même auprès de ces gens-là une attitude de réserve face à certaines façons de dire la loi. Et c'est ce qu'on a appelé plus tard un objecteur de conscience. Et un objecteur de conscience n'est pas un citoyen de seconde zone, c'est un citoyen qui se positionne dans le cadre d'une légalité de la société dans laquelle nous vivons. Il respecte le droit de la société, mais en même temps il reste critique, parce que le droit, vous savez, le père Lacordaire disait, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime. Parfois le droit, qui veut préserver des libertés ou accorder des libertés, il risque d'opprimer d'autres libertés. Et pour ma part, il ne faut pas jouer le jeu de l'anarchie, mais il faut tout simplement à ce moment-là convoquer l'arsenal juridique de nos sociétés et à nous de faire valoir nos droits devant les institutions juridiques de notre pays. Et ça ne diminue en rien mon engagement citoyen pour autant. Je suis citoyen français de confession juive ou musulmane ou chrétienne ou autre, et il y a des lois qui semblent poser problème par rapport à ma spiritualité. Eh bien, je ne suis pas obligé de les appliquer, mais je dois respecter l'application de ces lois, sauf s'il y a une contrainte qui s'impose à moi. À ce moment-là, je convoque l'arsenal juridique et je peux, bien sûr, respecter celui qui applique cette loi, mais ne pas approuver l'état d'esprit de cette loi pour autant. Et je pense qu'une loi n'est pas ad vitam aeternam une vérité absolue, c'est le produit de la raison humaine. La raison humaine évolue avec le temps, elle doit se réajuster, et ça fait partie de ce qu'on appelle l'objection de conscience, ce qui est approuvé par la constitution de nos sociétés européennes. Les institutions de nos sociétés, les institutions même musulmanes, même les mosquées, etc., doivent remplir ce rôle de catalyseur par rapport à l'engagement de la citoyenneté, de conscientiser les gens, les citoyens, d'éveiller leur esprit, de leur apprendre quelle est leur responsabilité, de les mettre face à leurs responsabilités, de les inciter à être des citoyens positifs, engagés, responsables, actifs et proactifs. Notamment par le biais du vote, savoir à qui on donne notre voix. Moi, je ne suis pas pour qu'à la mosquée, on ait un mot d'ordre de vote, parce que la mosquée, il faut rester dans une certaine objectivité, mais je suis pour que le fait que dans nos mosquées, nos institutions, on s'engage dans des actions citoyennes pour la justice, contre les injustices, pas seulement à l'encontre des musulmans, à l'encontre de n'importe quel citoyen de notre pays, pour l'équité, l'égalité de traitement, contre la discrimination à l'embauche, contre la discrimination au logement, etc. Pour être la conscience éveillée des opprimés autour de nous sur la scène internationale, tout ça c'est le rôle de citoyen. Mais pour cela il faut, à mon sens, s'engager dans la voie du partenariat. Du partenariat avec les associations non musulmanes,
pour qu'ensemble, de concert, de même voix, nous menons le même combat avec des, peut-être des synergies différentes, avec des aspirations différentes, sans dogmatiser notre approche. On a le même combat pour l'écologie, pour la justice, pour la dignité, pour l'enseignement, pour le droit à la santé, pour le droit au logement, etc., etc. C'est un même combat. Et c'est là que le dialogue interconvictionnel peut remplir sa responsabilité, son rôle d'un dialogue citoyen, spirituel et responsable. Disons, je ne suis pas élitiste, mais je pense qu'il faut conscientiser les masses. Et il faut parler et à une élite, enfin à une catégorie d'intellectuels, etc., mais aussi à la masse du peuple. Et il faut, je pense, respecter le rythme de chacun sans brûler les étapes. Et il y a moyen, je pense, de trouver des forces vives dans la société et dans notre communauté de foi en particulier. Et en même temps, auprès des intellectuels, auprès des leaders d'opinion notamment, il faut aussi les interpeller et réévaluer les choses. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut avancer. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de l'istifzaz, c'est-à-dire la provocation. On nous lance une perche et on se doit de l'attraper. Non, c'est à nous de définir les axes, les paramètres de notre engagement par la nécessité qui s'impose dans le cadre de la société, le contexte, etc. Pas par le rythme des médias, parce que souvent les médias orientent en fonction de ce qu'ils veulent laisser voir et entendre ou entreprendre. Nous, les musulmans, nous ne devons pas être dans la logique d'une décharge émotive exprimée par des propos démesurés parfois, parce qu'on nous a provoqués. Au contraire, il faut être sur tous les fronts. Mais il faut laisser l'occasion à la communauté musulmane, qui est une communauté encore jeune et récente, citoyenne, de s'orienter, de s'engager, de définir les paramètres de son engagement. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui est présent depuis 40 ans en France ou en Europe, d'agir au même titre qu'une communauté qui est là depuis 200 ans. Et puis à la communauté musulmane de définir si elle estime qu'il faut agir ou pas par rapport à tel ou tel axe qui se présente à elle, parce qu'il y a des questions qui sont des pièges tendus à la communauté musulmane. Il faut qu'on soit très très vigilant quant au calcul politicien de la politique aujourd'hui et quant aux enjeux des médias qui se présentent à nous. Par contre, au-delà de cela, bien sûr, il faut être sur tous les fronts. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut tisser des liens de partenariat. Ce n'est pas un combat islamico-musulman, des musulmans uniquement, rien que pour les musulmans. L'engagement pour la citoyenneté, c'est un combat de tout citoyen pour le bien-être de tous. Et je dois, moi, dénoncer les injustices, qu'elles soient à l'égard des musulmans ou des non-musulmans, et je dois revendiquer le droit et la dignité des peuples, qu'ils soient musulmans ou non-musulmans, et préserver les acquis et les biens pour tout un chacun à partir du moment où on se présente comme étant citoyen spirituel.